Hey, what's tout le monde, c'est des productions. J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur un casque audio, le Bose QC35 qui est juste ici. Pour faire bref, c'est un très bon casque audio qui a une bonne réduction de bruit aussi, qui vous donnera du plaisir au niveau des oreilles évidemment, mais qui est malheureusement 100 euros trop cher pour être attractif et compétitif avec ses concurrents. Pour les autres qui veulent un peu plus de détails sur ce casque audio, je vous invite à rester sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, le Bose QC35 ici présent est sorti le 23 octobre, si je ne dis pas de conneries. Aujourd'hui, on est quand même en janvier. J'ai quand même eu pas mal le temps de le tester en fait et d'écouter de la musique avec ou même écouter des vidéos, etc. Oui, je l'ai acheté le jour J comme un bon pigeon, effectivement j'étais content de l'acheter et en même temps j'étais un peu déçu de ce que peut proposer ce casque en rapport avec son prix. Côté design, on retrouve à peu près les mêmes choses que ce qu'on avait sur le QC35 numéro 2, sauf que là du coup on a changé le port micro USB par du USB-C. On a un petit peu vu l'esthétisme général. Côté du poids, bah écoutez, on est exactement sur le même poids au gramme près que sur le Bose QC35 2, donc là c'est une bonne nouvelle puisque du coup on a un casque qui nous fait pas mal au bout de une heure sur la tête. On peut le garder 3-4 heures facilement, voire plus pour ceux qui ont moins de problèmes au niveau du crâne. Je sais que j'ai un crâne un peu capricieux. Voici du coup perdre le logo Bose qui était en relief ici, il est floqué. On va perdre aussi le logo NFC. Côté connexion du coup, on est sur de l'USB-C. Il est encore heureux, j'ai envie de dire maintenant en 2022, mais il est sorti en 2021. On a donc du coup de l'USB-C, ce qui permet d'avoir une recharge assez rapide sur le casque, quelques minutes égale quelques heures, ça c'est toujours agréable. En termes de prise d'écoute, on est sur du jack 2.5 vers 3.5, je trouve ça complètement débile. Au bout d'un moment, il faudra peut-être se réveiller et se dire que les gens en ont rien à foutre d'avoir une connectique spécifique en fait à ce casque, parce que si on perd le câble, on l'a dans le cul, il faut en racheter un. Alors qu'un câble jack, on en a tous 3-4 qui traînent chez nous, donc forcément c'est un peu chiant. Au côté du son, là du coup on est plutôt bien servi, hein. On est contrairement à ce que pouvait proposer un petit peu le QC35 2, on a des bonnes basses qui sont bien présentes et ça, et je trouve qu'ils ont bien réglé le problème, parce que sur le QC35 2, si on voulait des basses, il fallait tout simplement monter le son. On n'a pas forcément envie de se rendre sourd, hein. Alors, l'intérêt d'avoir un casque à réduction de bruit, c'est justement c'est de pouvoir écouter pleinement sa musique sans avoir un putain de son qui te tabasse les oreilles, hein. Donc pour ça, du coup, Bose a su implémenter correctement un égaliseur intelligent qui vient du coup augmenter les basses, si j'ai bien compris, en fonction du volume et de la musique écoutée. Écoutez, moi, je trouve que ça fonctionne bien, même à bas volume, j'ai mes basses, contrairement à ce que je pouvais avoir sur le QC35 2, et c'est un truc qui, pour moi, était vraiment, je sais pas, un casque à 300 balles, si on n'a pas de basses avec un volume plus bas, je sais pas, en fait. Donc ça, c'est un bon travail, même si cet égalisateur va, du coup, des fois, être un peu moins bon dans les aigus, et des fois, vous donner des aigus qui sont vraiment un peu bizarres. Comme c'est du côté logiciel, on s'attend quand même à ce qu'il y ait des mises à jour du casque qui règlent du coup ces problèmes dans les aigus, parce qu'on a vraiment des aigus qui sont chimiques, et c'est un truc qui revient souvent dans les tests qu'on peut voir sur ce casque, c'est que sur certaines musiques, les aigus, on a juste envie de se mettre un tournevis dans l'oreille, quoi, et se percer le tympan. Côté logiciel, par contre, on est encore pas servi, en fait on est desservi clairement avec ce genre de casque, puisque du coup, Bose estime que leur casque, celui-ci là, le Bose, il est parfait tel quel et on ne doit pas le changer. C'est-à-dire que du coup, dans l'application, vous allez juste pouvoir savoir comment fonctionne ce casque au cas où vous êtes un peu teuteux, et vous allez juste pouvoir du coup le connecter ou voir où vous en êtes sur votre musique, etc. Mais aucun égalisateur paramétrique de fourni. Je trouve ça quand même décevant que sur un casque à 350 euros aujourd'hui, malgré ce que propose la concurrence, qui ont quand même des applications pour certains qui sont très solides avec des très bons égalisateurs, ici on n'en a pas. Donc c'est-à-dire que s'il y en a un qui trouve que, je sais pas, par exemple les médiums sont un peu en dessous ou en dessus, il peut l'ajuster pour que ça lui plaise convenablement.
Mais là, non, ils se sont dit que non. C'est soit t'achètes le casque et que t'es content, soit tu vas te faire foutre, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Bon, ensuite, parlons d'un autre ajout ensuite qui a été fait par rapport à la version précédente, c'est le mode Aware. Donc le mode Aware qui permet d'écouter, du coup, les sons à l'extérieur tout en ayant sa musique. Donc du coup, ce casque possède trois modes. Un mode réduction de bruit active, un mode Aware. Voilà, on a un mode Aware et réduction de bruit active. Et on n'a pas un entre-deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un peu de réduction active ou un peu plus. Non, parce que du coup, ce casque a une application de merde. Voilà, bon, c'est toujours agréable d'avoir un mode Aware qui, ici, par contre, fonctionne très très bien. Les sons retranscrits sont plutôt naturels. Là, c'est bien, ça vient pas trop dénaturer les sons extérieurs. Quoi que ce soit qui se passe en dehors, ça va être restitué convenablement, tout en ayant sa musique à l'intérieur. Donc ça, c'est un bon point pour le casque. Un autre point négatif, eh bien, c'est tout simplement le fait que quand on utilise le casque sans venir l'alimenter avec, du coup, en le mettant sous tension, effectivement, juste du coup avec le câble jack, eh bien, le son, il est catastrophique. Alors déjà, sur le W1000 XM3 de chez Sony, le son n'était pas foufou, mais alors là, le son, il est vraiment très mauvais, quoi. Et on a vraiment l'impression d'avoir un casque à 30 balles sur les oreilles. Alors, en termes de connexion Bluetooth, on est ici sur du 5.1, donc une très bonne connexion Bluetooth, très stable. Moi, du coup, quand je le connecte à mon ordinateur, je peux partir le bout de l'appartement. Il y a facilement les 10 mètres de distance annoncés, sachant qu'il y a quand même les murs entre, du coup, bah, mon bureau et ma chambre, par exemple. Donc ça fonctionne très bien, la connexion est très stable. J'ai jamais quasiment, je crois que jamais été déconnecté d'un appareil à proximité. Pour le la multi-connexion, c'est très simple, si vous voulez changer d'appareil, il vous suffit du coup de cliquer du coup sur le petit bouton alimentation et d'attendre qu'il trouve l'appareil que l'on veut. En termes de codec, on est toujours sur ce qu'il y a de plus basique, hein, pourquoi faire quelque chose de mieux quand on peut faire le moins, hein. On est sur du SBC AAC, donc les codecs les plus basiques qu'on puisse avoir sur un casque Bluetooth, donc c'est un peu chiant compte tenu du prix. Donc du coup, pour des gens qui veulent jouer à des jeux vidéo, alors si c'est du The Witcher, du GTA en mode campagne, il n'y aura pas trop de problèmes, je pense. Par contre, si vous êtes un pro player et que vous voulez faire, je sais pas, du FPS, du Counter-Strike, je sais pas, un compétitif, je ne vais pas forcément vous conseiller de le porter, en tout cas en Bluetooth, sur ce genre de jeu, parce qu'il y a quand même une latence entre ce que vous allez voir et entendre. Pareil pour les gens qui veulent faire du montage, c'est un peu con de voir qu'on a une latence du coup entre la voix et l'image, à cause du fait qu'ils n'ont pas voulu mettre au moins de l'APTX sur ce casque. Et bien du coup, pour la réduction de bruit, elle est ici très très bonne, et ça c'est un très bon point, et encore heureux parce que du coup vous avez quand même placé la barre assez haute sur le QC35-2. Ici je trouve que c'est un léger creux dessus encore. Quand je l'ai porté sur mes oreilles, j'ai quand même été bien choqué de voir une voiture me passer à côté et que je ne l'ai vraiment pas du tout entendu, et pourtant le son de la musique était vraiment, je pense, 25-30%, donc vraiment pas une dinguerie en train de me péter les tympans. Donc du coup, très très bonne réduction de bruit, et là dessus j'ai pas grand chose à dire, et on va la tester tout à l'heure un petit peu pour que vous puissiez vous faire une petite idée de ce que ça donne. Mais en tout cas, la réduction de bruit est pour moi au-dessus de celle du QC35-2, c'est une très bonne réduction de bruit. Ça, on peut pas leur enlever. On se retrouve du coup sur mon bureau pour tester la réduction de bruit active de ce casque. Donc il va y avoir plusieurs étapes. Une première étape où je vais vous faire écouter du coup le son que je vais jouer sur mes enceintes, qui va être une simulation de trafic de rue. Je vais vous mettre le micro avec juste ce son là et rien d'autre pour que vous ayez du coup la puissance du son qui va être normalement perçu par le microphone. Ensuite, je vais mettre ce microphone dans mon casque pour ensuite du coup voir la réduction de bruit passive du casque, donc juste en le mettant sur les oreilles. Ensuite, on va faire la réduction de bruit actif du casque, donc en l'allumant et en voyant du coup comment il va réussir à traiter numériquement le son pour du coup l'enlever. Et ensuite, on va tester le mode Aware. Voilà, pour avoir les sons environnants qui vont être amplifiés dedans. Tout ça sans musique, une fois avec la musique à 20% qui va être jouée sur mon téléphone. Donc on est parti, on va tester du coup le son de base qui va être joué et sans rien. Donc je vais mettre à niveau d'ici, hein, pour que du coup ce soit à peu près la même chose que quand il sera dans mon casque. Voilà, donc je vais faire play. Yeah.
Voilà, je vais pas en mettre plus parce que ça ne sert pas grand-chose, sachant que la bande fait quand même 1 minute 30. Donc là, je vais mettre mon casque. Et je vérifie qu'ils sont bien éteints. Donc je mets mon casque et je vais mettre ça dedans. Je vais avoir la position d'un demeuré. Et du coup, je vais jouer le son et ensuite mettre le casque. Voilà, donc là vous avez la réduction de bruit passive du casque. Je vais allumer le casque pour voir du coup la différence entre maintenant et maintenant. Batterie 70%. Connecté à Galaxy S10. Voilà. Donc là on a la réduction de bruit active. Sans la réduction de bruit. Avec. Donc il y a quand même déjà un bon traitement qui est fait. Maintenant on va passer en mode aware. Ouvert. Voilà, donc là on entend bien les bruits environnants qui rentrent dans le casque. Donc là c'est plutôt pas mal. La qualité est plutôt naturelle, c'est pas un truc dégueulasse ou robotique. Franchement ça fait le café. Donc là on va passer en mode fermé. Silence. Bon là on entend bien la réduction quand même. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jouer de la musique à 20%. Moi, perso, j'entends quasiment plus. Faut vraiment que je me concentre pour essayer de percevoir les sons environnants. Donc là, vraiment, une fois que la musique est activée, normalement, le casque, il vous bloque vraiment tous les sons de l'extérieur. Donc là, je vais passer en mode aware. Ouvert. Donc on a toujours l'option qui est présente, qui est là. Et on entend aussi les sons environnants. Donc pour ceux qui sont un peu flippés d'avoir un casque qui vous coûte de tout, il y a toujours cette possibilité que vous sortez, vous allez dans un environnement qui peut être dangereux, d'avoir le son extérieur qui vous arrive aux oreilles aussi. Voilà. Donc là, je vais rebloquer le son extérieur. Silence. Voilà, et le son il est vraiment très très bas, 20% sur mon téléphone. Donc effectivement, on peut monter beaucoup plus haut. Et voilà, déjà à 20% on peut profiter de la musique et on a déjà le son extérieur qui est coupé. Là j'entends vraiment que voilà. Et pour tous ceux qui souhaitaient savoir ce que donnait du coup la qualité des microphones intégrés à ce casque Bose QC45, et bien maintenant vous avez la qualité du microphone intégré à ce casque. Donc vous avez le rendu que vous aurez, enfin que les personnes auront lorsqu'elles vous entendront parler avec ce casque lors de vos appels visio ou vos appels téléphoniques. Voilà, il n'y a rien d'incroyable. Évidemment, c'est normal, c'est un casque, c'est pas fait pour. On s'attend pas forcément à avoir une qualité de microphone exceptionnelle quand on achète ce genre de produit. En tout cas, les micros sont là, ils font leur travail correctement. Il n'y a pas grand chose à redire dessus. Voilà, donc vous avez pu entendre avec ces tests que la réduction de bruit fonctionne plutôt bien, on va pas se mentir, hein, elle rend très bien. Donc du coup, pour conclure, le QC45. Le QC45 ici présent est un très bon casque. Ça, pour pas le dire, le son est très bon, la réduction de bruit est très bonne. Le confort est très bon aussi, l'autonomie est dans la moyenne, hein, environ 24 heures. On va pas dire que c'est un mauvais casque, loin de là. Par contre, est-ce que je vais vous le conseiller? Non, en fait non. En fait, à son prix d'origine, 350€, je le conseille pas. Clairement, il est pour moi 100€ trop cher pour être déjà attractif et avoir un rapport qualité-prix convenable. Puisqu'aujourd'hui, on peut trouver du coup le QC35-2 à environ 180€, si je dis pas de conneries, en neuf sur certains sites ou certaines bonnes affaires, évidemment. Et du coup, bah, ça veut dire qu'on devrait payer 170€ de plus, tout simplement pour avoir un nouvel esthétisme, un peu plus de basses pour ceux qui aiment les basses. Globalement, c'est tout, parce que la réduction de bruit, elle est peut-être un peu au-dessus, mais c'est pas transcendant non plus, donc... Payer quasiment le double, c'est chaud quoi. À 250€, on va aussi avoir du coup le W1000 XM4, qui est un très bon casque aussi, qui je trouve, et je pense même supérieur en termes de son à ce casque-là. La réduction de bruit est réprochable aussi. On a du coup le multipoint sur le XM4, on a exactement toutes les mêmes fonctionnalités que celui-là, mais avec du coup une application qui fonctionne, un prix en dessous. Pourquoi
prendre celui-là et pas plutôt le Mini XM4. Pareil, aujourd'hui, dans la barre des 200€ et même des fois 150€ sur certains sites ou certaines bonnes affaires, on va avoir du coup ce casque-là, qui est le W1000 XM3 de chez Sony, qui du coup, bon, lui n'a pas le multipoint, mais il a une très bonne réduction de bruit, une très bonne autonomie qui est de 30 heures, donc au-dessus. C'est le confort absolu aussi, vraiment un casque très confortable, un peu plus lourd mais quand même très confortable. Du coup sur celui-là on va pas avoir de connexion multipoint, mais on va voir du coup le codec APDX qui du coup va vous permettre d'avoir déjà plus de débit en Bluetooth et une meilleure latence. Voilà, donc du coup si vous voulez jouer, bah, c'est un meilleur compromis que ce casque-là pour 150€ moins cher. Alors par contre, si vous êtes fan de la marque Bose et que vous voulez absolument avoir casque Bose et que vous voulez ce qui se fait de mieux chez eux et que vous voulez mettre le prix, vous ne regardez pas, bah écoutez, je peux vous conseiller ce casque puisqu'il est très bon dans ce qu'il fait, mais bon, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est trop cher en fait, surtout pour un casque où on n'a pas une application complète pour pouvoir faire en sorte que ce casque nous convienne parfaitement. Voilà. Si tu cherchais du coup des conseils pour savoir où placer ton agent de Noël ou même tes étrennes, eh bien je te conseillerais du coup de partir plutôt sur le QC35-2 qui est moins cher et tout aussi bon globalement que celui-là, sauf dans les basses. Mais bon, si tu n'aimes pas forcément avoir des basses qui te tabassent, aucun problème. Et ensuite, je te conseillerais du coup les modèles de chez Sony ou alors même le modèle de chez Sennheiser. La référence s'affichera juste ici parce que je ne l'ai pas en tête au moment du tournage. C'était des productions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Effectivement, il y a eu un énorme retard, un énorme vide sur ma chaîne YouTube depuis ma dernière vidéo. Ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, le fait qu'il y ait eu très peu de vues, que du coup, ça ne me motive pas du tout. Et que du coup, bah, c'était les fesses. Il y avait un peu la flemme et puis flemme en fait. Si cette vidéo t'a plu, tu peux du coup la liker. Hein. Évidemment, tu peux la disliker, mais. Personne ne verra du coup. Si tu as besoin de conseils, tu peux venir dans les commentaires. Tu peux venir du coup, si tu n'as rien à faire, venir me follow sur Instagram et sur Twitter et même sur Twitch. Sur Twitch, tu trouveras du contenu qui sera du jeu vidéo hein, sur Warzone essentiellement et des fois du motion design en 2D et 3D. Voilà, bon, si t'es intéressé par ces trucs, tu peux venir, il n'y a pas de problème, t'es bienvenu. Voilà, tu peux lâcher un follow, etc. Sachant que pour tous les follow, je fais 5 comptes en ce moment. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Sur ce, c'était des productions. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut.